y a une petite règle, ne soyez pas choqués. Oui, c'est par ici. Chez Meeting Class, on tutoie les profs. En fait, on se dit, il faut que le prof soit un peu le grand frère de l'élève. Et du coup, ben, si on ne tutoie pas entre nous, c'est compliqué de tutoyer un élève. Donc autant nous tutoyer dès le premier jour. Et si quelqu'un nous dit non, désolé, vous voyez moi, on se dit que c'est peut-être pas le bon feeling entre nous. Et du coup, ça tombe bien. Donc voilà, c'était une décision difficile parce que parfois, on avait des profs qui nous disaient, mais non, moi, pourquoi vous me tutoyez? On dit, ben justement, vous n'êtes pas fait pour nous. Donc c'est bon. À quelqu'un qui nous pose une question aussi difficile, on se dit que ça ne va pas matcher avec d'autres élèves. Donc voilà, soyez pas choqués. Allez, comme ça nous fait un beau témoignage. Le plus courageux. Je suis le premier en plus qui passe. Justement, c'est le piège. J'ai rien préparé, en fait. Du coup, tu vois. C'est pas grave, tu nous racontes. Bonjour à tous. Bon, bah, moi, c'est Victor, Mossine Alami. Moi, je ne l'ai pas choisi au hasard, vous allez comprendre pourquoi. Ah, d'accord. Bon, bah, écoutez. Pour pas... Ouais, bah, c'est vrai, j'ai commencé avec Meeting Class dès 2017, je crois, les débuts de Meeting Class, quand on passait l'entretien en présentiel et tout ça. Pour moi, c'était une continuité parce que c'est quelque chose que je faisais depuis l'école d'ingénieur, en fait, depuis les classes prépa. Et du coup, pour moi, Meeting Class, ça m'a facilité toute l'organisation avec les élèves, les parents, ainsi de suite. Enfin, toute la partie planning que moi, je n'arrivais pas à gérer à un moment donné. Bah, c'était pris, voilà, j'ai trouvé que c'était super intéressant. Ouais. Voilà, ça, c'est pour le début. Après, qu'est-ce que... Ah, les avis, je crois, je suis dans les 130, 120, je crois. Comme ça. Bah voilà, vous avez compris pourquoi je vais sur les deux jours. Je pense que ouais. C'est celui qui a le droit d'avis parmi vous ici. Bon, ouais. Tu t'approches de lui, non? D'accord, ok. Ouais, c'est vrai, effectivement, j'ai entendu un petit peu ce que tu disais au départ. Les avis clients, c'est très, très, très. C'est un moteur, en fait. C'est vraiment ce qui déclenche, en fait, c'est une boule de neige. Après on n'arrive plus à gérer tous les demandes donc, qui arrivent et tout ça. Et moi, je trouve ça. Donc, j'ai entendu un petit peu le fait qu'il dit le suivi par WhatsApp. Alors, c'est quelque chose que je faisais aussi, en fait. C'est vraiment un suivi pendant la semaine pour les élèves. Ça demande de l'énergie. Enfin, moi, ce que je fais, j'ai une petite astuce d'organisation depuis les classes prépa, un petit peu. Je prends des petits 10 minutes chaque heure, en fait, pour gérer ça. Et du coup, ce qui fait, c'est que les parents, enfin, ils ont l'impression que ce n'est pas vraiment juste les 2 heures que tu passes avec les 4 élèves. C'est vrai que moi, ça m'arrive avec des élèves qui ont des niveaux différents. Même niveau, voilà, je peux avoir un élève de collège avec, enfin, de troisième avec un élève de c'est vraiment, ils peuvent, ouais, de quatrième et tout ça. Donc c'est vraiment, ça peut arriver avec des niveaux différents. Mais ce que je fais en avant, c'est que je prépare le cours de chaque élève, en fait, pour que ça soit fluide pendant la séance, parce que les élèves, c'est pas, enfin voilà, c'est après avec le temps, on arrive à les gérer avec l'expérience, avec. Mais c'est le fait de suivre, voilà, ce qu'on leur donne comme exercice à faire. Moi, je leur donne des exercices à faire tous les semaines. C'est obligé. Donc, ça, je vous clarifie ça dès le départ avec les parents, en fait, quand on contacte les parents. Parce que les parents, ils demandent comment ça se passe et tout ça. Je leur dis clairement, il y a un travail à faire tous les semaines. C'est important de le faire. Il n'y a pas de magie, enfin, il n'y a pas de formule magique. Hein. Il faut qu'ils travaillent pendant la semaine parce que moi, enfin, je vais le voir pendant 2 heures. Je vais essayer de le suivre pendant la semaine, de poser les questions et tout ça. Mais s'ils ne travaillent pas pendant la semaine, il n'y aura pas forcément un résultat rapide, en fait. Donc, ça, c'est important. Donc, c'est une organisation en parallèle avec les 2 heures, en fait, si tu veux. Et du coup, c'est par rapport à l'organisation avec les élèves et tout ça. C'est vrai qu'on apprend beaucoup avec l'expérience, avec le temps. C'est vrai que, enfin, parce que moi, je faisais des trucs, en fait, je me filmais en donnant des cours. Mais c'était au début. Maintenant, on a fait ça. Ouais, je me filmais en fait et je voyais en fait au début, je me filmais en donnant les cours et je regardais à quel moment je perds le temps en fait. Ça, c'était au début. Et ça m'a permis, avec le temps, du coup, ça m'a permis de trouver sur des fractions, sur les 2 heures en fait, je fractionne pour faire le tour des élèves.
Il faut vraiment que je répartisse le temps sur chaque élève, en fait. Il ne faut pas qu'il y ait un élève que j'ai pas. Parce que les élèves, vous savez, c'est des enfants. Il faut vraiment les cadrer, sinon c'est compliqué. Et surtout en visio, en fait. Hein. Je filmais, voilà, pour les cours en visio. En présentiel, c'est compliqué, mais en présentiel, c'est. Enfin, voilà, je les vois tous, sans problème et tout ça. Mais du coup, ça m'a permis d'adapter un petit peu, d'améliorer un petit peu la méthode, en fait, d'essayer de vraiment qu'un élève reste accroché avec moi. Donc, je dois le pinguer minimum, enfin, chaque 5-10 minutes, il faut vraiment qu'il m'envoie ce qu'il a fait. Faut pas que je le laisse une demi-heure à travailler, tout ça. Parce que je lui donne le cours, il fait une première lecture, ensuite, je lis avec lui le cours, ensuite, je lui envoie les exercices que j'ai préparés, et j'attends qu'il me renvoie, en fait, via le WhatsApp. Bien sûr, on utilise WhatsApp en parallèle, c'est indispensable. Et j'ai vu avec le temps, voilà, c'est vraiment c'est une technique qui marche très très bien. Enfin, aujourd'hui, il y a des élèves qui sont des pilotes de ligne, enfin que j'avais des élèves. Ouais. Des pilotes de ligne, il y en a même des élèves aujourd'hui, enfin des ingénieurs. Hein, enfin, Et je vois que voilà, c'est vraiment c'est magique. En tout cas, je ne pouvais pas faire toute cette organisation. S'il n'y avait pas s'il y avait pas Meeting Class qui me permet d'organiser, de prendre en charge toute la partie organisation, planning, inscription et tout ça, paiement et tout c'est parce que je ne pouvais pas le faire, je ne pouvais pas travailler mieux en fait. Parce que le fait que Meeting Class enfin, gère toute cette partie-là, ben moi je suis concentré sur la progression des élèves. Et ça, voilà, et c'est ça ce qui fait que ça marche très très bien. Merci pour ce témoignage. Ben voilà, de rien. On peut l'applaudir pour les autres. Mais les autres, hein, on peut l'applaudir aussi. Voilà, Merci pour merci. J'ai ce. quelque chose là, de Oui, un petit micro. rien. Et merci. Hop, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a envie de. Ça, c'est bon, on peut passer aux activités. Moi, c'était comme si tu avais préparé. Ça fait plaisir. Mais. En fait, juste pour vous dire, là je veux parler parce qu'il y a aussi des nouveaux. Je vais rapidement parler un peu de la pédagogie Meeting Class, mais Victor a donné beaucoup de choses sur la pédagogie, Adèle aussi. Vous étiez nombreux à en parler. Mais grosso modo, quand on est quatre, c'est rarement un cours magistral, voire jamais. En fait, on ne va jamais se tourner au tableau et écrire des choses. Normalement, ça ne devrait pas arriver, même si peut-être dans certaines matières. Ça peut se comprendre, mais en tout cas, dans la plupart des matières, maths, français, etc., c'est pas le cas. Donc, ce qu'on fait, c'est que ça tourne. C'est-à-dire que c'est des mini-cours particuliers qui se passent en parallèle. Et pourquoi ça a du sens? C'est parce que quand on est seul avec un élève, et vous avez probablement vécu ça, en tout cas, à chaque fois que je parlais avec des profs, on me disait qu'ils ont vécu ça, c'est quand on est seul avec un élève, ben, on perd du temps. On croise les bras comme ça et on attend qu'il fasse ses exercices. On attend qu'il relise une partie de son cours, on attend qu'il fasse des choses en autonomie, et quand ça lui arrive, ben nous, on regarde. Et souvent, quand on le regarde, on le dérange encore plus, et parfois, ça le fait bloquer encore plus, et ça fait perdre encore plus de temps. Parce que quand on regarde quelqu'un en train de travailler, ben à un moment, il nous regarde aussi, et ça le déconcentre. Et en fait, le fait d'enlever notre attention de chez lui pour aller chez un autre élève, ça rassure tout le monde, ça rassure l'élève. Nous, on sort pas notre téléphone, ce qui n'est pas bon dans un cours, ça ne fait pas très, très professionnel de sortir son téléphone parce qu'on n'a rien à faire. On ne regarde pas l'élève, on passe à un autre élève. Et puis, parfois, quand on est en groupe, il y a une petite magie qui s'opère quand il y a un qui a compris quelque chose et qui est tellement fier qu'il va l'expliquer à ses camarades. Et là, c'est tout le monde qui est content, celui qui explique en expliquant. Parfois, il dit quelque chose de faux, du coup, nous, on en profite pour corriger. Mais la plupart du temps, il dit des choses vraies et bonnes. Et là, ça fait que les autres comprennent. Et lui, soft skill, c'est super, communication, il explique. Et ceux qui prennent l'information, ils la prennent mieux de lui que du prof. Donc là, c'est le petit bonus en plus. Mais le principal intérêt, c'est vraiment l'efficacité pour le prof. Donc le temps, vous le perdez pas. À la place d'avoir quatre élèves qui, du coup, prennent des cours à côté, ben, vous les regroupez tous les quatre. Et ça devient beaucoup plus rentable pour vous, que ce soit économiquement ou pour votre temps et pour l'intérêt que vous. Disons que l'impact que vous aurez, c'est-à-dire qu'à la fin du mois, vous aurez beaucoup plus d'élèves que vous aurez aidés qui deviendront pilotes de ligne ou médecins ou docteurs ou ingénieurs parce que vous aurez vraiment aidé beaucoup, beaucoup de monde de façon efficace. Donc ça a quand même un impact qui est sympa. Voilà, donc ça c'est pour ceux qui n'ont pas l'expérience, mais ceux qui l'ont, ils savent. Donc j'espère que vous aurez tous bientôt plein, plein d'élèves pour ceux qui viennent de nous rejoindre ou qui nous ont rejoints il y a longtemps mais qui ne faisaient pas de cours chez eux.
ou qui n'ont pas eu encore la chance d'avoir des propositions. Donc j'espère que ça va bientôt être le cas. Je voulais vous parler des nouveautés parce que les 5 derniers mois, que ce soit Arnaud, Bilal ou Guillaume, c'est nos 3 développeurs, il y en a un quatrième qui n'est pas là, Dylan, ils ont développé comme des malades. Donc vraiment, si vous devez les applaudir, ça serait super. Parce qu'ils ont développé des trucs de fou en une vitesse incroyable. Parce que je ne sais pas si vous imaginez comment c'est difficile de développer une plateforme. C'est comme si on construisait un immeuble et qu'on rajoutait des étages. Arnaud m'a donné un très bon exemple. C'est comme si on prenait un ouvrage de Victor Hugo. D'ailleurs, il y a peut-être autant de lignes dans le code d'Arnaud. Il y a, je pense, 1 million de lignes, quelque chose comme ça. Donc, pour rajouter en fait, une nouvelle fonctionnalité, il me dit, c'est comme si tu prenais un ouvrage de Victor Hugo que tu rajoutais un père au personnage principal. C'est quelque chose de compliqué. En fait, chaque fonctionnalité a des impacts sur toutes les autres fonctionnalités, sur tous les profs, sur tous les élèves, sur tous les cours, voilà, sur tout ce qui existe déjà sur la plateforme. Et donc, c'est très difficile de rajouter quelque chose quand on a une grosse plateforme avec des dizaines de milliers d'utilisateurs. Pour vous rappeler, hein, il y a 12 000 élèves qui ont déjà pris des cours sur Meeting Class et plus de 10 000 pages profs. Donc, vous êtes 10 000 profs. Vous n'êtes pas tous actifs. Ce n'est pas les 10 000 qui sont actifs. Il y en a à peu près 2 000 qui donnent activement des cours. Mais il y a quand même 10 000 pages profs. Et donc, ajouter une fonctionnalité, ça a des impacts sur tout le monde et sur tout. Donc bravo. Je voulais les féliciter aussi. Et du coup, les dernières fonctionnalités, bah, typiquement, on a rajouté les cours particuliers. Bon, ça fait 5 ans qu'on n'avait pas de cours particuliers. Mais à un moment, en fait, tout le monde, les parents, ils nous appelaient. Ils nous disaient... c'est cool votre site, mais ce prof-là, je le veux en cours particulier, qu'est-ce qu'on fait? Et nous, ce qu'on leur disait à l'époque, c'est on ne fait pas de cours particulier. Et on vous faisait perdre des élèves, en fait. Nous, à la limite, ce n'était pas grave parce que ça nous permet de nous positionner, entre guillemets, côté marketing sur les cours en groupe. Mais vous, ça vous fait perdre des élèves sur votre page et ça vous fait ne pas l'utiliser tout le temps. Donc on s'est dit qu'il fallait faire ça. Je me rappelle, il y avait des dizaines de coups de téléphone quand je répondais à l'époque au téléphone et je leur disais, bah, allez chez Acadomia. Ils me disaient, mais non, Acadomia, ça coûte 50€ l'heure, j'ai pas envie. Je leur dis, bah, allez sur Superprof. Ils me disent, mais non, Superprof, il me propose de payer 39€ alors que j'ai même pas encore vu le prof et parler au téléphone. Donc. En fait, il y avait un vrai besoin côté parents et un besoin côté prof et on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. Et donc, c'est en fait une fois qu'on a automatisé les matchings, que les cours ont commencé à être créés automatiquement, ce qui a été fait dernièrement aussi, que Bilal a rajouté aussi les cours particuliers avec Arnaud qui est son directeur. Donc voilà, donc aujourd'hui, on a des cours particuliers, on a des cours qui sont créés instantanément. Donc avant, je ne sais pas si vous vous rappelez, il fallait attendre une semaine pour ceux qui sont les plus anciens, il fallait attendre une semaine pour qu'une demande soit traitée. Pour vous donner un ordre d'idée, on a une centaine de demandes par jour, côté élève. Et au tout début de Meeting Class, avant qu'ils développent des outils, on avait un énorme Excel par jour. Et chaque jour, on prenait cet Excel-là et on le matchait avec les profs qu'il y avait à côté. Et ce n'était pas forcément le prof que l'élève a choisi. Du coup, on avait à peu près 20% qui acceptaient et 80% qui refusaient. C'était le bordel. Et petit à petit, on a rajouté des fonctionnalités. À un moment, c'était tous les jours plutôt que toutes les semaines. On a automatisé des choses, etc. Et aujourd'hui, tout est automatique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une demande, ça part directement chez le prof accepte. Boum, l'élève, s'il met sa carte bancaire, le cours commence et ça passe plus par nous. Parce qu'il y a une époque où les profs nous appelaient en mode « Est-ce que vous pouvez me matcher ?» etc. Et on pouvait vraiment avoir des décisions humaines. C'est-à-dire qu'on pouvait choisir tel prof que tel prof, même si on ne le faisait pas de façon excessive, mais on pouvait vraiment avoir des décisions. Alors que là, tout est fait de façon automatique. Donc, c'est les élèves qui choisissent les profs. Et c'est là où justement les remarques sur les avis clients sont importantes parce que notre algorithme va pousser les profs qui ont des avis clients. Pourquoi ? Parce que c'est les profs où nous, on est sûr qu'ils sont bons. Donc, c'est pour ça que je vous dis que le plus dur, c'est d'avoir les premiers élèves. Parce qu'une fois que vous avez vos premiers élèves, d'ailleurs, vous pouvez les avoir tout seul. Il y a beaucoup de profs qui ont commencé avec leurs propres élèves. Ils leur ont demandé de s'inscrire sur la plateforme et ils ont eu leur premier, deuxième avis client. Une fois qu'ils ont eu ça, ils remontent. Et une fois qu'ils remontent, c'est comme les recherches Google. Quand quelqu'un recherche, en général, il clique sur les 3 premiers liens. Donc, c'est pareil pour les profs. Une fois qu'on fait une recherche sur notre site, ben, on clique sur les 3 premiers profs qui ressortent et c'est les 3 profs qui ont le plus d'avis clients. Donc voilà, donc, vous comprenez si vous n'avez pas encore d'élèves que ça joue sur ça, mais en même temps, il ne faut pas lâcher. Surtout, par exemple, Florence, si tu viens de Chartres, tu as un avantage énorme, c'est que en fait, les gens de Chartres peuvent te trouver. Et tu seras, même si tu n'as pas encore d'avis client, tu apparaîtras tout en haut. Donc ce n'est pas comme si tu étais au 13e arrondissement de Paris. Là tu aurais au moins une centaine de profs au-dessus de toi et ça serait vraiment compliqué de s'y retrouver. Donc en fait, il y a cette question de concurrence, mais en présentiel, en fait,
Ça, c'est une question qui revient souvent. C'est, vous me dites, je donne des cours en visio et je n'apparais pas vite dans la recherche. En fait, parce qu'en visio, vous êtes tous en concurrence, il y a toute la France. Donc là, Victor, il apparaît. Il y a quelques profs qui apparaissent, Adèle. Mais Slim, dans quelques matières, je pense en SES. Mais grosso modo, c'est très difficile de concurrencer les 10 000 profs qu'on a sur notre plateforme en visio, à moins que vous ayez déjà donné beaucoup de profs. Donc ce qu'on conseille vraiment tout le temps aux profs, c'est de commencer en présentiel. Parce que même à Paris 13, en fait, si vous habitez rue Charcot, ici, et qu'il y a un voisin qui habite rue Charcot, il va vous préférer vous plutôt que le prof qui a beaucoup d'étoiles à 2 km. Même si 2 km, c'est pas loin, en fait, on va quand même afficher le prof qui est le plus proche de l'élève avant les autres. Donc le présentiel, ça marche. Donc vous aurez plus vite des élèves si vous accueillez les élèves en présentiel. Et pour accueillir des élèves, en fait, on a toujours des profs qui nous disent c'est compliqué d'accueillir des élèves, j'ai pas la place. Mais en fait, souvent, les profs qui ont plus d'élèves, bon, c'est pas tout le temps, mais ça arrive très souvent. Ils sont dans des studios, ils ont une petite table et 4 chaises devant la cuisine. Vraiment, je suis allé visiter plein de profs. C'était pas super, mais ça fonctionnait. Genre, ils commençaient par 2 chaises. Ensuite, quand ils ont vu qu'il y a le troisième inscrit, ils sont allés acheter une chaise. Et puis le quatrième inscrit, ils ont acheté une autre chaise. Et il y en a même un qui les a. Bon, ça marchait pas bien, on a eu un mauvais avis client. Il les a mis sur un tapis. Je sais pas c'est qui, c'est pas toi alors. Il y avait un prof qui avait fait ça. Bon, on l'a appelé, on lui a dit, faut maintenant investir sur une bonne chaise et améliorer un peu. L'avis client, c'était le prof est génial. C'est juste qu'il nous a mis sur le tapis. Genre, ça se fait pas. Donc, ils ont fait un petit avis comme ça. Et le parent, c'est pas désinscrit, il est resté dans le cours. Oui? Voilà. Il pouvait trouver une excuse qui marche. Mais bon, disons que ça n'a pas été très bien pris par une maman. Mais oui? Moi, je tiens à témoigner parce que tu viens de dire, moi, au début, on posait aux élèves de venir voir. Oui, d'ailleurs, pour le faire, pour que les élèves viennent chez vous, il faut que vous connectiez sur vos disponibilités et que vous cochiez la case chez le prof. Donc, une fois que vous cochez cette case, vous apparaissez dans les recherches et du coup, vos voisins vous voient. Et quand vos voisins vous voient, bah, en fait, c'est ceux qui ont plus de probabilité de s'inscrire chez vous. C'est pas comme si à Chartres, vous avez un Parisien, vous imaginez qu'il va pas forcément s'inscrire chez vous. Donc, c'est plus compliqué quand on est qu'en visio, qu'on démarre. Donc là, il y a zéro chance d'avoir des inscrits. Par contre, si on se déplace, bon, on peut, là, vu qu'il y a des cours particuliers, salut, ça va? Non, il y a des places. Hop, il y a une chaise ici. Bon, on a des champions là qui. Elle est très calme, bravo. Donc, une fois qu'on commence à avoir des cours en présentiel à côté de chez soi, ben là c'est plus facile d'avoir des cours en visio. Mais avec les cours particuliers, ça commence aussi à se lancer même si vous ne pouvez pas accueillir. Parce qu'on les a lancés à peu près il y a 2 ou 3 mois. Et depuis qu'on a lancé les cours particuliers, le premier mois, on a eu 40% des demandes qui étaient des cours particuliers. Donc ça s'est lancé de façon énorme. Et ensuite là, c'est plutôt entre 20 et 25%. Donc on a quand même un quart des demandes. Sachant qu'on a fait des cours en groupe pendant 6 ans. Donc, on vient de lancer les cours particuliers, c'est quand même un quart de nos demandes. Ça veut dire qu'il y avait un vrai besoin. Et donc, ça peut aussi vous lancer. Mais disons qu'on a quand même les 3 quarts des demandes qui sont en groupe chez le prof. C'est des cours particuliers, voilà. Donc, les cours particuliers, comment on a fait? On a voulu faire simple. On a juste dit que c'était le double du prix d'un cours en groupe. Donc, c'est comme si vous bloquiez votre séance à 2 élèves. Je ne sais pas si c'était clair pour la logique. C'est l'objectif. On va répondre à toutes les questions, mais du coup, je fais un résumé. Pour les cours particuliers, c'est comme si vous aviez 2 élèves. En fait, que ce soit côté parent ou côté prof, c'est comme si le parent a inscrit 2 élèves ou qu'il a bloqué 2 places. Et côté prof, c'est comme si vous aviez 2 élèves dans un cours en groupe. Et en fait, on était obligé d'avoir un raisonnement comme ça, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est la nouveauté depuis hier après-midi. On a lancé la possibilité d'acheter des cours en avance. Donc ça, j'imagine que vous n'avez pas encore remarqué. Donc depuis hier après-midi, les parents peuvent acheter un an de cours chez vous. Donc ça les fait s'engager. Et du coup, une fois qu'ils peuvent acheter un an de cours, vous pouvez imaginer que quand ils achètent un an de cours, c'est-à-dire 60 heures de cours en groupe, en fait, s'ils ont envie de prendre des cours particuliers, on fait comment? On ne peut pas avoir 2 systèmes. Et du coup, c'est 30 heures particuliers ou 60 heures en groupe. Donc on a tout standardisé. Donc il n'y a plus là de cours. Un peu en mode des prix bizarres. À un moment, Meeting Class, on avait des prix. Chaque prof faisait le prix qu'il voulait pour des cours particuliers, etc. Donc, ça, on a arrêté. Là, il n'y a que des cours particuliers qui sont.
En fait, c'est deux tickets, quoi. C'est un ticket encore en groupe, mais deux tickets encore particuliers. Donc, ça coûte deux fois plus cher pour un parent et pour un prof, c'est comme s'il avait deux élèves de faire un cours particulier. Donc, ça, c'est une des nouveautés. L'autre nouveauté, c'est les packs. Donc, en fait, quand je vous dis on a fait énormément de projets techniques, c'est qu'on en a vraiment fait beaucoup. Ça s'est enchaîné. Donc, il y avait ça. Il y avait les disponibilités stage. Avant, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous envoyais un mail avant chaque vacances pour vous dire mettez vos avis, vos disponibilités pour les stages intensifs, mais vous le mettiez dans un fichier qui n'était pas dans la plateforme. Et du coup, l'information se perdait. En fait, Samia et Maria et Dalo, qui sont dans le service client, ont dû à chaque fois vous envoyer des informations, mais en fait, on n'avait pas, les parents ne voyaient pas ces informations-là. Donc là, depuis une semaine ou deux, ça ne fait pas très longtemps, vous pouvez mettre vos disponibilités stage directement dans la plateforme et du coup, les parents peuvent filtrer, par exemple, sur les profs qui sont dispo, pas cette semaine, mais la semaine prochaine. Donc, ça fait que quand vous avez une demande, elle est précise. Elle est dans vos dispo, ça ne va pas être une demande à côté de la plaque. Une autre fonctionnalité qui arrive, vous étiez nombreux à me la demander, c'est une toute petite fonctionnalité. Ça a l'air facile, mais ça a pris du temps. C'est que quand vous mettez des disponibilités, vous aviez une seule plage. Et quand vous faites une pause déj ou autre chose, ben, ça passe pas. Donc là, Guillaume est en train de la mettre en production là, ces jours-là. Donc vous pourrez mettre par exemple 8h midi, 14h, 18h. Jusque-là, c'était pas possible. Vous étiez obligé de faire 8h, 18h. Et quand vous aviez une demande au milieu et que vous ne voulez pas la prendre, ben, ça faisait des refus de cours. Donc ça, c'est des petites améliorations, toutes petites, mais ça améliore énormément les matchings. Ça fait que c'est beaucoup plus fluide et que vous n'avez pas besoin de nous appeler au téléphone pour nous dire je ne veux pas faire telle chose ou telle chose. Il y a plein d'autres fonctionnalités. Est-ce que vous pouvez me rappeler typiquement, là, on est en train de faire de gros projets pour remonter sur Google. Donc, vous imaginez que Superprof, aujourd'hui, si ça fonctionne, c'est parce qu'ils sont premiers sur Google sur tous les mots-clés. Alors que, en fait, nous, aujourd'hui, si un client veut vous contacter gratuitement, il peut faire la même chose que sur Superprof. Il y a un petit bouton « Contacter le prof », il vous envoie un message. Et en fait, c'est la même chose que sur Superprof. S'il veut juste vous contacter. Chez Superprof, ils sont obligés de payer 39 euros d'abonnement. Oui. Non, mais en gros, ils sont obligés de payer pour avoir votre téléphone sur Superprof, les parents. Ça, vous n'étiez pas au courant. Justement, je sais que Superprof le cache. Et Bilal m'a dit la même chose parce que Bilal, avant d'être développeur chez Multiclass, était prof Multiclass. Et il m'avait dit la même chose à l'époque. Il m'avait dit qu'il ne savait pas que Superprof faisait payer les parents. En fait, pour avoir ton téléphone, ils sont obligés de payer. Même... Ah, c'est incroyable. Non, pas que les mots-clés. En fait, justement, ça, c'est la publicité Google. Ils en font aussi un peu, pas beaucoup. Mais là où ils ont été bons, c'est qu'ils sont bien référencés sur Google naturellement, sans payer. Et comment ils font? Ils ont écrit des milliers d'articles, ils ont investi des millions d'euros. Ils ont en fait un énorme site avec d'énormes articles. Et du coup, Google pense que c'est un gros truc et il les fait remonter. Et donc, on s'est lancé là-dedans. Là, on est premier sur plein de mots-clés importants, alors qu'il y a deux ans, ce n'était pas le cas. Donc, on est sur la première page sur soutien scolaire, sur cours de soutien. Donc, on commence à remonter. Là, on est premier sur plein de recherches. Donc, cours de soutien à Marseille, soutien scolaire Marseille, on est premier. Il y a quelques villes comme ça, on est premier. Et là, on est en train de faire d'énormes efforts pour remonter. Et c'est Guillaume qui travaille dessus aussi. Donc, on remonte sur plein de mots-clés. C'est un travail de titan. Il faut surtout, sur le site, mettre plein de vidéos, plein de photos, parce que c'est ça qui remonte un peu la SEO. Ouais, ça s'appelle le SEO, la science du référencement Google. Et du coup, on est en train d'investir beaucoup, beaucoup en ce moment là-dessus pour que vous remontiez sur Google et que les gens vous trouvent sur Google. Vous avez développé, c'est quoi vos derniers projets? Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, Bilal est en train de mettre en production un projet pour refuser les cours. Jusque-là, quand quelqu'un vous demandait un cours, vous étiez obligé d'accepter, sinon, il ne pouvait rien faire. Et ça, ce n'est pas parce qu'on ne voulait pas que vous refusiez, c'est juste parce qu'il fallait le développer. Et comme vous savez, nous, quand on développe, on va vite. Donc, on préfère avoir un truc qui fonctionne et rajouter ensuite le problème qu'il y a après. Donc, il est en train de résoudre ce problème-là. Donc, on est en train de résoudre ce problème-là. Là, vous pourrez refuser un cours. Et si vous refusez un cours, ce qui va se passer, c'est qu'on vous enlève vos disponibilités. Comme ça, vous devez remettre vos disponibilités parce que si vous refusez un cours, ça veut dire que vos disponibilités ne sont pas bonnes. Et donc, vous devez les remettre. Comme ça, si vous n'êtes pas dispo, on vous enlève. Comme ça, vous n'êtes pas dérangé. Et dès que vous êtes dispo, ben, vous acceptez. Et ça, ça existe déjà. Si vous voulez, vous acceptez pas l'horaire proposé, mais que vous voulez proposer un autre horaire, vous pouvez le faire.
Quand vous avez une demande, vous modifiez l'horaire, vous parlez avec le parent et vous envoyez le nouveau horaire qui vous intéresse. Donc ça aussi, ça existe depuis pas longtemps sur la plateforme. Donc voilà, ça, je vous ai vraiment donné quelques exemples de projets qui existent avec les... Oui. C'est ça, c'est ça. Donc avant, vous étiez obligé d'avoir 4 élèves. Là, vous pouvez mettre 2 élèves ou 3 élèves. Donc typiquement, celui qui avait 2 chaises, il n'aurait pas été obligé d'investir dans une troisième chaise parce qu'il aurait pu fixer le nombre de places à 2. Donc ça peut être intéressant. Oui, Samy, c'est aussi un autre prof superstar. Bah, toi aussi d'ailleurs. Tu peux venir témoigner, hein, les superstars, on les invite à témoigner. Ouais, ben viens. En fait, du coup, je laisse Abdel vous raconter. Vous dites par quoi ? J'étais pas prêt. Bah oui, bien évidemment, personne n'est prêt. Bon, devant. Alors, il y a 15 personnes qui nous regardent. 15 personnes ? Ok. D'accord, bah, bonjour tout le monde. Bonjour à tous les autres. Bon, ça fait 2 ans à peu près que je suis sur Meeting Class. Je suis prof de maths depuis longtemps. 8 ans, je crois. Alors, grâce à cette personne-là, c'est lui qui m'a chauffé pour être prof. Et au début, j'ai commencé. Je n'étais pas très motivé, je n'étais pas très, très croyant, on va dire. Et là, je pense que je suis un fidèle. Je suis un bon fidèle. En plus, l'équipe, elle est fort sympathique. que rajouter, que dire de plus? Bah, tes chiffres. Bon. Motiver les nouveaux, quand même. Ah, d'accord. Bon, en moyenne, je suis à 3500 euros par mois. En moyenne, je fais une vingtaine d'heures par semaine. J'ai très peu de gens qui se désinscrivent, des élèves qui se désinscrivent. Ça arrive, mais bon, il y en a très peu. Au début, quand j'ai commencé, je crois que j'étais à. Je crois que j'avais un élève, je crois. Voilà. Je crois que j'avais un élève. Il n'était pas là. C'était le témoignage qui revenait. Ah, c'est vrai ? C'est que ça commence doucement. Ah oui, non, mais... Ouais, c'est ça. Pendant les 3-4 premiers mois, un élève, après 2, après 3. Après la rentrée de septembre, je ne sais pas, ça a explosé. J'en ai eu, je crois, une dizaine. Et après, maintenant, je crois que j'en ai beaucoup. Je ne les ai pas comptés, mais je crois que j'en ai beaucoup. Je crois que j'en ai plus d'une vingtaine, je pense. Ou ouais, plus. Plus et... voilà. J'en ai une soixantaine. Okay. Une soixantaine. Et après, je ne les harcèle pas, je ne les appelle pas, genre, je ne leur demande pas de laisser un avis ou quoi. Franchement, faites-le. Hein. En fait, on avait des gens chez nous qui les appelaient pour leur dire. C'est vrai ? Ah, c'est pour ça ? Non, parce que les parents d'élèves, ils n'ont pas le réflexe de dire « Ah tiens, je vais noter tel prof, ça se passe bien et tout. » Même si ça se passe bien, ils ne le font pas. Alors quand ça se passe mal, je pense qu'ils le font. Alors, ça m'est arrivé une fois, je me rappelle, tu m'avais appelé, parce que l'élève, elle avait dit « Bon, il y a des miettes sur le tapis, je ne veux plus. » Mais en vrai, la raison, ce n'est pas ça, c'est que bon, elle n'était pas très motivée en vrai. Mais c'était le seul truc, promis, c'était le seul truc, c'était pas bon. Mais sinon, depuis, ça se passe bien de manière générale ou globale, ça va. Puis je pense que même mes deux collègues là-bas, ils sont pareils, non? Non? Ça se passe très bien. Viens témoigner, viens. Viens, Iliès, je garde ta petite. Ouais, justement, toi, garde ta petite. Non, mais c'est pas que ça, tu vois, aucun. Non, je suis toujours prof à l'éducation nationale. Ouais, ça fait une semaine énervée. Alors pourquoi on m'a posé souvent la question pourquoi je reste toujours prof à l'éducation nationale. J'ai passé le concours. Donc, si je démissionne, ils vont me l'enlever. Non, je ne veux pas. Et en même temps, je suis en train de passer le concours de l'agrégation. L'année dernière, je devais le passer, mais j'ai eu le Covid. Donc, du coup, voilà. Et cette année, j'ai oublié de m'inscrire. Je n'ai pas eu le temps. J'espère que ce n'est pas à cause des cours. Non. Non, c'est moi. Quelquefois, je suis une tête en l'air. Et quoi? Voilà. Voilà, merci.
Merci. Je t'en prie. C'est super. Bah, ça fait plaisir d'avoir de très beaux témoignages comme ça. Vraiment. Bah, vous comprenez, du coup, nous, quand vous nous faites des témoignages comme ça, ça nous rappelle pourquoi on se réveille le matin. Que ce soit vous ou les parents, parce que là, on a parlé d'avis client. Tu as dit qu'il y en a eu 1 sur 60 qui était pas super, super. En fait, c'est tout. Non, une séance. Bah, en fait, ce que je voulais dire, c'est que tu rejoins à peu près les statistiques de Meeting Class. C'est qu'on a 97% des parents qui donnent la note maximale. Genre 5 sur 5. 100, parfait. Donc ça fait plaisir. Ça veut dire que, bah, en fait, quand vous faites tout le process de sélection chez Meeting Class, c'est que vous êtes très bon. Voilà. Donc bravo à vous tous. Hein. C'est vrai qu'on a applaudi les développeurs, mais on doit vous applaudir aussi parce que vous êtes très bon. Vraiment. Si Meeting Class aujourd'hui a eu autant d'élèves satisfaits, c'est grâce à vous. Voilà. C'est, en fait, il y a une plateforme, il y a tout ça, mais c'est quand même vous qu'ils aiment. Parce que quand même, c'est une relation humaine. Et finalement, quand ils donnent des avis, nous, on fait exprès, on leur dit pas laisser un avis chez Meeting Class. On leur dit jamais. On leur dit laisser un avis à Victor, à Adèle. On donne vos noms. Comme ça, il y a ce côté humain qui dit, bon, il a enseigné à mon fils tout ça, je peux pas être méchant. En fait, on a très rarement des avis. Même quand ça se passe un peu mal, on a une désinscription, mais ils sont pas méchants, finalement. Vous avez que des messages positifs et je pense que ça doit vous motiver un peu, parce que moi, je l'ai essayé aussi, quand on a des avis comme ça qui rentrent, ça donne une belle... C'est une petite dopamine, là, du matin, quand on voit un avis dans notre page, ça fait vraiment plaisir. Et un point important pour les pages, vos pages prof, c'est que vous dites pas... C'est un grand investissement pour avoir des avis clients. Hein. Comme on disait, parfois, on peut passer un an avant d'avoir quelques avis clients. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un investissement très, très long terme. En fait, c'est une sorte de fonds de commerce. Là, typiquement, je connais une personne qui a arrêté les cours pendant très longtemps. Il avait une cinquantaine d'avis clients. Il a arrêté les cours pendant un an et demi. Et là, il a repris. Et tout de suite, il a commencé à avoir des inscrits. En fait, parce que il a des avis clients, il est remonté. En fait, du coup, c'est un investissement qui reste dans la durée. Et c'est une sorte de fonds de commerce. Genre, il aurait pu le vendre à quelqu'un. Bon, heureusement qu'on ne peut pas changer les têtes sur nos pages, donc on ne pouvait pas vraiment le faire. Mais c'est une sorte de business que vous avez qui tourne et que vous pouvez reprendre, vous pouvez mettre en pause. Et une fois que vous le relancez, vous avez tout de suite des demandes qui peuvent arriver, surtout si vous faites des cours en présentiel, donc là où vous habitez. Et en fait, pour vous dire, Meeting Class n'est pas lancé à l'international. Mais on a un prof qui a déménagé à Bruxelles et il a eu des élèves à Bruxelles, juste pour vous dire. Donc, Meeting Class s'est lancé un peu naturellement à l'international parce qu'il y a des profs. En fait, quand vous déménagez, ne vous dites pas « je vais perdre mes élèves ». Oui, vous allez en perdre là où vous êtes, mais dès que vous allez au nouvel endroit, vu que vous avez un super profil, ça va attirer beaucoup plus de gens. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, les personnes qui ont des avis clients, par rapport à ceux qui n'en ont pas, ils ont entre 20 et 30 fois plus de demandes. Donc, c'est beaucoup plus nombreux quand vous avez des avis clients. Donc, ça vaut vraiment le coup d'investir là-dessus. Donc, quand vous avez, par exemple, un élève à côté que vous mettez dans la plateforme, bah, ça va énormément booster votre plateforme. Il y a des profs qui me disent, j'ai déjà accompagné énormément d'élèves, mais est-ce que je ne peux pas en profiter et mettre leurs anciens avis ? On dit non, tout simplement parce qu'on ne peut pas vérifier et on veut vraiment que la plateforme soit solide. Donc là, quand vous donnez des cours et qu'un élève vous laisse un avis, en fait, c'est écrit « tel élève a pris 34 heures de cours avec vous avant de laisser cet avis ». Donc, c'est tellement vrai que les parents, ils font confiance. Et si on commence à mettre des avis un peu comme chez Superprof et que ce n'est pas des vrais avis, Superprof le permet. Mais en fait, moi, j'avais testé, j'étais sur Superprof, j'ai demandé à 6 personnes qui travaillaient avec moi de laisser des avis et j'ai eu 6 avis sur ma plateforme. Donc, ce n'est pas vrai. Et du coup, à long terme, je pense qu'on va les dépasser là-dessus parce que le vrai marche mieux que le faux. Donc voilà. Excusez-nous parce que je sais qu'il y a beaucoup de vrais que vous ne pouvez pas mettre. Mais en même temps, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est les appeler, leur demander de s'inscrire et de laisser des vrais avis. Comme ça, ça peut vraiment vous aider à booster vos pages. Voilà. Donc, alors, ce que je voulais vous proposer comme déroulement, parce que là, il y a plein de trucs à manger, donc on doit bientôt avoir faim. Ce qu'on va faire, c'est qu'on aura des ateliers. Donc, les développeurs vont aller dans pas tous, mais vous pouvez être avec eux dans l'autre salle pour leur faire des propositions et pour qu'ils vous montrent la plateforme. Donc, les questions qui sont tech, ça va être dans la salle d'à côté et vous pouvez leur poser vos questions techniques et ils vous font des démonstrations en live, que ce soit pour les projets en cours ou pour les prochains projets. Donc, le prochain projet phare qu'on vient de mettre en production hier après-midi, pour les retardataires, c'est les paiements en avance.
Donc, on peut payer en avance un an de cours, 60 heures de cours. Bon, en fait, ce n'est pas un an parce que s'ils ont plusieurs enfants, ça se termine en moins d'un an. Mais c'est 60 heures de cours. Et s'ils font ça, ça leur fait une petite réduction. Donc, c'est des prix dégressifs finalement. Donc voilà, ça fait qu'on a des engagements et ça fait que les élèves restent avec vous plus longtemps. Alors ça, c'est un autre projet que j'ai oublié de dire. C'est un autre projet. Ça, en fait, justement, notre plateforme, il y avait une critique qui revenait de la part des profs. C'était que, en fait, c'était open bar. Il n'y avait aucun engagement. Les élèves peuvent s'inscrire et se désinscrire à n'importe quel moment en deux clics. Et parfois, vous n'aviez même pas le temps de déclarer une séance qu'un élève pouvait se désinscrire. Donc ça, c'est justement, on a corrigé ce problème-là avec ce préavis. Donc là, les élèves, avant de se désinscrire, on leur donne au moins une semaine de préavis. D'ailleurs, ils peuvent faire plus, c'est-à-dire qu'ils peuvent tout de suite se désinscrire, mais dire, moi, je veux me désinscrire le 31 juillet. Donc, comme ça, ils peuvent faire un préavis d'ici la fin de l'année scolaire, comme ça, vous savez à quelle date ils vont finir. Mais c'est au moins une semaine. Donc, ils ne peuvent pas aller du jour au lendemain comme ça et se désinscrire. Il reste une séance. Après, ils peuvent être intelligents et déclarer une absence à la séance qui arrive, mais ça vous laisse le temps au moins de déclarer votre séance tranquillement avant que l'élève... En fait, l'élève ne peut pas être dans la fuite. Genre en mode, je déclare... Justement, en fait, ça revenait souvent. Ça revenait... En fait, nous, comment on développe, hein, on ne sort pas les projets de notre chapeau. C'est quand vous êtes trop nombreux à nous demander quelque chose, qu'on se dit, il faut faire quelque chose. On ne peut pas laisser... souvent, c'est à la troisième demande qu'on commence vraiment à réagir. Parce qu'on ne peut pas réagir à la première demande, parce que parfois, on se dit, c'est peut-être un cas isolé. Donc, enfin, une fois qu'on a la deuxième... Et le troisième prof qui dit la même chose, là, on bouge. Là on priorise. En fait, même quand il y a une seule demande, on met le projet dans notre pile. C'est juste qu'on a une pile avec une cinquantaine de projets. Et du coup, c'est en bas de la pile. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous faites plusieurs demandes, ben, vous remontez. Le projet remonte. Et du coup, les projets qui sont en priorité, c'est les projets où il y a plusieurs profs qui nous disent « ça me pose problème ». Donc, typiquement, les packs de cours payés en avance, vous étiez nombreux à nous dire « moi, je préfère les élèves qui restent longtemps et qui ne se désinscrivent pas, etc. Mais en fait, il fallait trouver une façon de les fidéliser. Et la façon de les fidéliser, c'est de les faire acheter en avance et du coup, de leur faire une réduction s'ils achètent en avance. Pour l'instant, on est sympa. On a voulu le faire. Bonjour, ça va, Serge? Alors, est-ce qu'il y a une chaise? Super. On a voulu être sympa. On a fait la chose en deux temps. En fait, on voulait rendre moins cher les gros engagements et plus cher ceux qui ne s'engagent pas du tout. On a commencé par moins cher ceux qui s'engagent. Donc, les plus chers pour ceux qui ne s'engagent pas, ça va être à la rentrée prochaine. On ne voulait pas pénaliser des gens en milieu d'année. Donc, mais l'idée, c'est de les pousser vraiment. Parce que là, pour l'instant, ils ne sont pas très motivés d'acheter l'année de cours parce que ce n'est pas encore plus cher de faire tout de suite une seule séance. Mais l'année prochaine, à la rentrée prochaine, du coup, ça va être un peu plus cher de faire à la séance. Comme ça, tout le monde ira sur le cours annuel. Et pour vous dire, quand j'ai présenté, parce que j'ai fait une présentation devant 120 parents, donc pour leur présenter les packs. Et à la fin, j'ai fait un sondage pour leur dire, et j'aurais présenté le pack au prix cher, pas tout de suite, genre le prix où c'est plus cher de le faire tout de suite. Et je leur ai demandé quel pack vous choisissez, annuel, semestriel, trimestriel ou à la séance. Il y avait 60% qui ont choisi annuel. Donc aujourd'hui, ça ne va pas être 60% parce qu'on ne les pénalise pas quand ils prennent à la séance. Mais à la rentrée prochaine, normalement, vous aurez des packs annuels, vous aurez des gens qui s'engagent plus chez vous. Et pour vous, ça ne change rien. En fait, l'idée, c'est que ce risque-là, c'est un peu à nous de le porter. Donc, si quelqu'un ne s'engage pas, finalement, ça nous fait plus de gestion aussi, etc. Mais si quelqu'un s'engage, bah, en fait, du coup, chez vous, c'est invisible. C'est juste que nous, on les pousse à s'engager pour vous aider. Mais pour vous, ça, rien ne va changer d'ici la rentrée prochaine. Donc, quand ils payent moins cher, ça ne change pas pour vous. Et quand ils payent plus cher, ça ne change rien non plus chez vous. Voilà, voilà. Oui. Bah là, tu peux lui envoyer le lien et il peut le faire. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que les parents le demandent aussi. Hein, c'est pas que les profs qui veulent ça. Il y a des parents qui nous disent le dimanche matin à 9h, c'est difficile de se faire réveiller mon enfant. Et du coup, quand c'est pas payé à l'avance, bah en fait, il se réveille pas. Et il s'absente, c'est facile. Même si tu factures de temps en temps 50%, s'ils font à la dernière minute, ils se disent bon, c'est pas grave, c'est que 50%. Alors que là, quand ils vont payer à l'avance 60 heures de cours, ils peuvent quand même faire des absences. Hein, parce qu'ils achètent les cours, mais ils peuvent les utiliser plus tard. Ils peuvent les déclarer plus tard. Mais c'est quand même encourageant. Moi, j'ai vécu la même chose. En fait, j'étais avec mon fils dans un club de jeux. Et il y avait plein de jeux. Et en fait, j'ai acheté à l'avance,
un nombre de crédits. En fait, j'étais obligé d'utiliser tout avant de sortir. Du coup, à la fin, je l'obligeais de faire des jeux alors qu'il n'avait pas envie. Il m'a dit, je vais partir. Je lui ai dit, bah non, il reste des trucs dans ta carte. Il faut les utiliser jusqu'au bout. Mais en fait, c'est un peu la même chose avec vous. C'est que, bah, en fait, quand il va acheter son truc, il va se dire, bah, ça, si je m'absente, bah, j'aurai des heures et il faut vraiment que je les utilise avant la fin de l'année scolaire. Et du coup, je vais y aller. Et là, c'est des cours, c'est pas des jeux. Donc, c'est encore plus important. Donc, les parents, ils vont se dire, c'est bien. Pas trop motivé, si tu veux, pour faire le cours. Exactement. Si c'est dans son intérêt. Hein, oui, le parent veut, c'est l'enfant qui bloque. Ben voilà, j'espère que ça va être utile. C'était ça l'objectif. C'était vraiment de les faire s'engager. Ben voilà. Donc là, vous pouvez en parler à vos élèves. Ben, ce que je vais faire, c'est je vais juste enlever le live. Pour ceux qui sont en ligne, merci. Là, il n'y a que des questions, donc c'est fini pour vous. C'est déjà pas mal. Hein. C'est pas mal, on leur a donné la chance.